Alors, 7h et tout le monde s'agite dans l'auberge d'Irun. We want to see you. Auberge des pèlerins d'Irun. Leur accueil. Très nombreux, on était 48 hier soir. Grosse chaleur dans le dortoir. Bien pointillé. Et donc on va partir. Voilà, 7h20. Donc la partie et on va monter donc sur le Rescue Bell où il y a les antennes là-haut et on va descendre sur Pasaya pour aller à Saint-Sébastien. Pour, en route pour Guadeloupe en premier et ensuite le Rescue Bell en passant par en haut par les antennes pour descendre sur Pasaya. Ah, ça chante. Il se lève tard le coq, hein. Feignant. Ah, ça commence à monter. Donc dans le paysage basque du matin, 8h moins le quart. On va vers le sanctuaire de Guadeloupe. Alors là, ça monte, c'est parti jusqu'à Guadeloupe. Une journée de dénivelé. Voilà, première récompense. Music licensing reimagined. Je vois une tête blanche dans les fougères. Je vois une tête blanche dans les fougères. J'arrive. Allez, Potchuk. Du Rescue Bell. Hello. Hello. Donc la vue 360 degrés, au moins 180 là, depuis le Rescue Bell sur la baie de Shigundi, Andai, Irun, la Bidassoa en bas, la frontière avec la France, et Irun, un beau menhir, vas-y. Un joli menhir basque sur le sommet du Rescue Bell. Avec le soleil qui nous vient, un temps magnifique. Ah, c'est dur, et ça monte. Ça monte, mais la récompense est là. Des nuages. Voilà la vue sur Passarès et puis l'entrée de Passarès du port et puis là-bas Saint-Sébastien, le phare au fond sous les nuages et les antennes du Rescue Bell qu'on va tutoyer. Nous voilà au sommet aux antennes du Rescue Bell. Ah, midi, on poursuit la descente du Rescue Bell vers Passarès. On doit y être d'ici une heure. Et voilà l'arrivée à Pasaya. Magnifique gorge, comme Bonifacio. Nous voilà à Pasaya, une ville historique, fait partie de Lafayette. Pour la guerre d'indépendance de l'Amérique à bord de l'Hermione. Jolie ville, Pasaya, port de pêche, de commerce.
On va prendre le bateau pour traverser. Fantastique terrasse. Superbe chantier de réparation ou de construction navale à l'ancienne, très réputé à Passarès. Ça. Oh joli, joli ouais. Et on est parti pour 200 mètres de marche, 200 mètres d'altitude, de dénivelé, 200 mètres de dénivelé. Ouais, magnifique entrée du port de Passarès. Ouais, magnifique. Eh ben ça monte. Ça monte. Ah, magnifique baie. Magnifique boulet de Passarès. Avec l'ancien phare. Le fort de l'amiral qui protégeait le port de Saint-Sébastien, Passarès. Alors on avance. Ah, il est 16h. Ah, et puis là en bas, il se baigne. Il y a un bateau avec les gens autour qui se baignent dans l'eau qui est bleue, transparente. Ah, nous, on transpire. Ah, ça va être notre tour bientôt. C'est ça le Norte. Le Norte, on peut se tremper n'importe où. Il suffit d'avoir le maillot et hop, en arrivant à l'étape, on se jette dans l'eau. Passage un peu rocheux. 17h, en route vers Saint-Sébastien. Et voilà, arrivé à Saint-Sébastien, 18h25, un peu en retard, c'était dur.